de silence pour la mort du président Chavez. Salut le Premier ministre là. Salut tout le monde du gouvernement, tout le ministre. Salut l'ambassadeur Venezuela qui est là. Ambassadeur cubain. Matin, m'invitez-nous dans le palais national pour nous rendre hommage à deux garçons. Supporter que Haïti j'aime. Pour nous, il était plus qu'un ami, il était un frère. Hugo Chavez, son monde qui n'a jamais raté une occasion pour exprimer l'amour pour Haïti. Pour la voler Haïti monter, pour la aider Haïti, pour la parler de l'histoire, côté que Haïti te permet Venezuela pour l'indépendance. Et pas seulement Venezuela, mais pays de l'Amérique latine en général. Pas plus tard que janvier année passée, pendant que il était déjà un problème de santé, il était passé l'ordre par vice-président et par ministre des Affaires étrangères pour le dire pas jamais larguer Haïti, pas jamais suspendre par Haïti une attention particulière. Pas jamais rater une opportunité pour leur rappeler le lien historique qui existait entre Haïti et le Venezuela. J'ai mal dans ces lacs, mal dans différentes réunions. Chaque fois qu'on bilatéral, ça peut être discuté en 10 minutes, prend 3 heures dedans. Parce que en 20 fait 10 minutes sous coopération, nous fait 2 heures dedans, 50 minutes sous le lien qui existait entre Haïti et le Venezuela. Lui-même paraît. D'ailleurs, c'était sa folie, sa connaissance profonde de l'histoire. Il n'a jamais parlé de l'appui de Dessalines en 1806 à Miranda. Miranda qui était écrit grande nation sud-américaine, ça. Il faut me dire que drapeau Venezuela, drapeau Équateur, drapeau Colombie, drapeau ça, il était crié, il était monté sur ma première fois sur le Lambert dans la rade de Jacques Mel par Miranda le 12 mars 1806. Je dis à son jour triste pour Haïti, et peuple haïtien reconnaissant, peuple haïtien, président de la République, la Premier ministre, le gouvernement. Envers président Chavez et mon coup de bien bas devant de pour lui. Président Chavez était un exceptionnel.
Je vais raconter une expérience que nous avons chance de vivre. C'est la petite histoire, mais ce n'est plus la petite histoire parce que je vous dis, je vais raconter nous ça. Haïti, qui toujours a des problèmes de moyens, a été envisagé, puisque Haïti, c'est un pays observateur dans sa ville Alba, a été envisagé pour devenir un membre permanent de Alba. Mais Alba, son association qui regroupe tout le pays qui a une idéologie particulière. Côté que l'idéologie a voulu que Abdoumen n'est pas d'accord avec le pays impérialiste. Bon, Haïti pas entré dans la logique ça. Mais Haïti, par besoin, tu voulais entrer dans Alba parce que Alba offrit, nous qui membres institutions, des avantages extraordinaires. Et un pays qui blesse juste dans les autres pour Haïti, il devrait profiter de l'avantage de ça. Donc nous partis, nous allons dire que nous avons besoin de rentrer dans le bas. Mais il faut nous dire que le reste du monde a regardé nous qui peut rentrer dans le bas. Depuis notre rentrée dans le bas, nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Ça veut dire que nous avons un peu de ministre, nous avons un peu aller. Nous connaissons. Comment l'avion est absurde. Avion est absurde, avion. Est-ce que c'est vrai deux monsieur Sayo pour aller mettre Haïti dans le bas? Deux jeunes dix monsieur Sayo. Eh bien, nous y veut. Le président Chavez présente l'ordre du jour. Il dit que Haïti qui l'a besoin d'entrer dans le bas, nous allons parler de ça. Il y a tel pays besoin d'entrer dans le bas. Monsieur dit tel pays adopté entrer dans le bas. On même entrer dans le bas. On est dans le bas. Il veut Haïti. Il dit, Haïti, pourquoi qu'on entre dans le bas? Ou trop petit pour entrer dans le bas? Si on entre dans le bas, il y a bateau en pile. Pas entrer dans le bas. Mais on apprécie le requête et on a besoin tout ce besoin comme soutenant dans le bas. Alors que, pour le premier monde, nous sommes bon. Pour entrer dans Alba, c'est pour le président, parce que le président Chavez lui-même a besoin de consolider Alba. Mais il n'a pas voulu consolider Alba au détriment des peuples haïtiens. Il n'a pas voulu consolider Alba, il a dit ça pour Haïti lui-même a souffri. Il dit Haïti, par exemple. Et nous pensons que ce n'est pas un monde qui devait aider nous seulement, qui devait protéger nous tous. Donc, m'a dit nous que c'est avec un peu de respect que nous avons coupé nous devant des pouilles amis, devant des pouilles frères. Et funérailles, c'est pour vendredi. Le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et moi-même, nous pourrons aller. Dans le funérailles. Et nous décrétons déjà 3 jours de deuil sur toute l'étendue du territoire, à partir de jeudi jusqu'à vendredi, jour que a fait enterrement Zami Sara. M'a proposé toute station radio passer des musiques de circonstances. Temps sombre. Que nous, Haïti prend coup. Ce n'est pas un jour où nous avons parlé de ça, mais rapidement, un peu de mots. Des centaines de projets qui vaudraient presque 1 milliard de dollars. Plus de la moitié. Plus de 2 milliards de dollars, pour être plus précis. À placer dans le pays, je vous dis, grâce à grande coopération ça.
Bien sûr, plus que coopération, ses amis, parce que coopération, ça n'est pas possible sans monde, sans l'homme lui-même, sans volonté, sans engagement, sans l'amour que le gagne pour le peuple dans la zone, pour la région, pour Haïti, pour l'Amérique latine. Il devait consolider la région. Et si je vous dis à la région, lançons l'autre signal. Nous devons, président Chavez, ça. L'idée, ça, c'est de clancer. M'a dit nous merci. Mais pour ça, être là. Et au cas où vous auriez quelques questions, je vous propose le premier ministre là, pour d'appeler un pupitre là et répondre aux questions de la presse. Merci. Bonjour, Luc Nergaro de Radio Télémétropole. Déjà, qui a vu Petro-Caribéa après la mort de Chavez et trois jours d'œil qui décrétaient qui s'allaient impliquer, mis à part Radio qui se posait jouer musique qui est appropriée, qui l'autre exigence que nous fait dans le cadre trois jours d'œil ça. Merci. Bon, merci pour la question. Nous décrétons trois journées de deuil en guise de solidarité et de respect pour un leader. Parce que je dis, le monde entier a perdu un poteau garçon. Donc c'est le minimum que le pays d'Haïti a fait, c'est en guise de respect, ça, c'est mandé trois jours de deuil national. Et nous ne pas mandé, nous pas exigeant, hein. C'est que chaque Haïtien, natif, natal, chaque Haïtien conscient et conséquent, compte très bien, ça, président, ça fait pour chaque monde dans le pays. Donc, c'est en guise de respect, de solidarité avec le peuple vénézuélien qui a souffert aujourd'hui à tout. Que, eh bien, nous demandons trois jours de deuil national, ça y est. En guise de futur de accord Petro-Caribé, avec tout respect que nous avons pour question, nous croyons que nous mettons Petro-Caribé à après, en second plan, nous mettons respect nous et amour nous pour le peuple Venezuela devant pour trois jours qui viennent là. Merci. Bonjour, c'est Isabeau Doucet du New York Times. Est-ce que vous pouvez comparer l'aide que les États-Unis bail à Haïti avec l'aide que Venezuela bail et expliquer Tigras comment qui aide plus efficace pour gouvernement et infrastructure haïtienne et aussi si vous avez crainte pour les élections au Venezuela qui a venu? J'aime bien dire tout à l'heure. Nous, journée aujourd'hui, c'est une journée de tristesse, de deuil, de recueillement, de solidarité avec le peuple vénézuélien, avec le président Hugo Chavez, avec toute famille nous, que nous considérons comme un frère, que nous considérons comme propre famille nous, qui c'est propre famille nous d'ailleurs, qui défend le peuple haïtien, et surtout ça qui défavorise au Venezuela, même avec ici. Surtout ça peut défavoriser les gens qui n'ont pas de voix, les gens qui n'ont pas de voix, on voit au Venezuela et dans toute l'Amérique latine. Donc, ça que le gouvernement a décidé, je veux dire, c'est que nous parlons, j'aime dire tout à l'heure, pour comparaison entre aide, ça qui est efficace, nous allons quitter ça un autre jour. Je veux dire, nous avons protocolé.
en guise de solidarité avec un frère nous que nous perdu journée aujourd'hui. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, M. Robert Son-Alphonse, je travaille pour le journal Le Nouvelliste et Radio Magique 9. Et le Président Martelly, en racontant l'histoire de Chavez qui, tant en nous, a aidé le pays à protéger lui, a gagné un sanglot dans la voix. Monsieur le Président, émotion nous sentit lui, haïtien, non pile qu'à exprimer lui. Et bien que nous pas souhaité parler sous aide là, mais au nom des amis ça qui te qu'on fourre maintenant poche pour aider nous sans compter, sans calculer, est-ce que si par le passé tu as moins efficacité ou moins efficience dans l'utilisation des fonds de Petro-Caribé pour le futur, pour l'avenir, nous t'as peut-être pris engagement pour nous faire mieux pour en mieux dans mémoire. Merci. Une président Martelly avec moi, nous avons eu l'honneur de nous passer plusieurs moments avec le président Hugo Chavez. Et ça a permis à nous-mêmes personnellement de développer une admiration personnelle pour lui et nous connaître pour le président en tout. Une chose que nous avons remarqué, c'est que le président Chavez te connaît pays a aussi bien que nous, si c'est pas plus bien. Il te connaît histoire pays a, il te connaît pour qui ça, un peu le monde pas comprendre. Pour ça, est-ce que Venezuela a aidé Haïti? Est-ce que c'est pas intérêt? Est-ce qu'il a cherché un bail de nous? Et président Chavez a toujours dit nous que ça va faire pour nous, il fait sans condition. Nous faisons lui parce que nous considérons que nous avons payé nous une dette historique. Parce que si Venezuela est un pays qui a indépendance les jours d'aujourd'hui, mais Haïti joue un petit rôle là-dedans, une petite participation là-dedans. Et il apprécie ça. Donc, l'autre point, tout, c'est que nous n'avons pas que le président Chavez demande nous, c'est Fond Petro-Caribé, il dit nous, par respect pour le pays, il ne parle pas de nous ça pour nous faire, qui vient pour nous gérer. Parce que il fait nous confiance que comme leader légitime et élu que le président Martelly, eh bien, il a fait plus bonne utilisation du fonds ça que possible. Il y a un point que il a ajouté, parce que j'aime toujours, toujours penser avec malheureux, avec défavorisé. C'est que Petro-Caribé a servi à des causes qui sont plus sociales. Sans mentionner exactement qui ça, que ça, ça veut dire, qui ça pour lier. Donc, investir plus dans malheureux, aider malheureux, aider les gens qui n'ont pas rien. C'est ça que nous avons discuté. Et nous avons dit le président Chavez, c'est président a dit ça, même le ministre a fait étranger à tout, mais dit avec le président Kounia, Nicolas Maduro, que c'est ça que nous venons faire. Nous venons pour nous faire une différence, pour nous aider, ça n'a pas gagné du tout, ça n'a plus défavorisé. Donc, nous disons que nous mettons posé sur ça, nous faisons plusieurs rencontres, et effectivement, nous voyons que l'utilisation Kounia là, en termes de pourcentage, là, elle est beaucoup plus vers des causes sociales. Dernière question. Moi-même, c'est Luc Manvieux. Je travaille pour Radio Télévision Nationale d'Haïti. Jean-Premier ministre Lansot Dili, tout haïtien conséquent, connaît qui ça Hugo Chavez a fait pour chaque grain haïtien. Conscient de ça, qui ça administration Martelly Lamotte là, capable de commencer fait pour assurer une pérennité de mémoire président ça dans tête du monde haïtien. Très bonne question. Il y a différentes activités que nous avons cherché à faire. Et nous allons réunir journée aujourd'hui en conseil. Et très certainement, nous allons retourner sur vous.
avec action concrète pour nous capter des mémoires pour tous les garçons ça a tombé pour nous pour Haïti pas jamais oublier pour Haïtien pas jamais oublier tout au monde qui est le plus grand défenseur d'Haïti au monde qui était respecté par Haïtien qui était respecté pays et il peut respecter non seulement autorité mais ça détruit le monde qui défavorise autour. J'aime pas dire valeur. Je vais arriver au Venezuela depuis ma terre dans l'aéroport jusqu'à ce que nous repartions. Vous sentez tout le peuple à rien haïtien. Et quand le pays arrive, vous sentez que ce n'est pas même une réception que lui. Mais là, vous sentez que depuis le chef là, jusqu'à ne pas ouvrir barrière pour sécurité, nous dans l'hôtel, nous avons profond respect pour nous-mêmes haïtiens. Donc, comme autorité, nous obligeons tout, nous rendons hommage à ça. Et ça, le fait depuis le président Jean Doulan jusqu'à tout le monde dans la société. Mais il y a un moment comme ça, et bien nous-mêmes, nous obligés de respecter ça. Donc je dis encore une fois, son journée qui est triste. Et le président Chavez fait presque 2 ans l'a gouné avec un cancer et le gouné jusqu'à la dernière minute. Et toute bagarre est mise en branle. Mais il n'a pas réussi à gagner un combat ça. Cependant, Haïti a toujours reconnaissant. Haïti n'a jamais oublié ça que le peuple vénézuélien fait pour nous et ça que le président vénézuélien fait pour chaque grain haïtien. Merci beaucoup. Merci à Premier ministre Lamothe. Et à une question que tu as posée derrière en marge, Premier ministre, m'a précisé pour tout le peuple haïtien, 3 jours de deuil, ce n'est pas 3 jours de congé. Il y a un rapport qui est en berne, discothèque, j'en ai dit, avec toute institution qui n'a même registre, il n'y a pas pu fonctionner eux-mêmes. Et puis, bien entendu, on a pu gagner dans la station de radio et télévision, nous inviter à diffuser des émissions qui est adapté à circonstances-là. Ambassadeur vénézuélien là, et là nous capables de dire que nous en famille, et nous presque sûrs que l'État a bien placé 2 mots, même si ce n'est pas beaucoup. Nous demandé au ministre Balmire, Stéphanie Vildouin Balmire, s'il est capable de nous faire un plaisir pour d'avoir traduit pour la presse qu'il a, de l'espagnol au créole, s'il vous plaît. Monsieur l'ambassadeur. Bonsoir à tout le monde. Es un poco difícil dar un breve mensaje, pero voy a hacer un esfuerzo. Il était difficile maintenant pour me parler, mais mal essayé fait, moins fort. Primero que nada, gracias, presidente Michel Martelly. Avant tout bagage, je me remercie, président Michel Joseph Martelly. Gracias, primer ministro Laurent Lamothe. Merci au premier ministre Laurent Lamothe. Por estas palabras convertidas en homenaje póstumo al comandante y presidente Chávez. Por toda palabra que yo think y digo por comandante Hugo Chávez. Agradezco a todas las personalidades del gobierno que están aquí presentes en este apoyo, en este momento de solidaridad. Gracias a todos los gobiernos que están presentes en este momento de solidaridad. Está también con nosotros un hermano que nos acompaña todos los días y con quien también tenemos
lo decimos sin ningún problema, una alianza estratégica en todo este continente, el embajador de Cuba, Ricardo García. Et m'a salué un grand ami et m'a dit nous gagne une bonne collaboration stratégique avec Cuba, c'est justement l'ambassadeur qui est avec nous là aujourd'hui. A la prensa agradecemos también que hayan tomado en cuenta este momento de dolor. D'ailleurs, merci à la presse là qui s'y présente et qui avec nous là un moment grand douleur ça. Sabemos del afecto, del cariño y el aprecio sincero del presidente Martelly por el presidente Chávez. Nous conscients, nous connaissons de amour et affection sincère que le président haïtien a gagné pour Hugo Chávez. No lo ha ocultado un minuto. Il n'a pas jamais cessé d'il ni renier pour une minute. Y de su amor y su cariño por el pueblo venezolano. Et de amour et affection pour le peuple vénézuélien. Amor que se extiende del pueblo haïtiano al pueblo venezolano también. Amour qui est entrelacé et qui est étendu de peuple haïtien à peuple vénézuélien. Yo tengo más de 40 años leyendo periódicos en Venezuela. Même quand j'ai plus de 40 ans que je lis les journaux au Venezuela. Y lo digo con toda sinceridad y franqueza. Me dirá avec un pile sinceridad y franchise. Es muy difícil ver a un haitiano metido en problemas en Venezuela. Y très très difícil pour nous un haïtien qui est en situation problématique au Venezuela. Por eso es que yo digo sin tapujo. C'est pour ça que même moi dis là avec un pile vigueur. Que yo no entiendo por qué le tienen esa bendita, para no decir otra cosa, fama de violento a los haitianos. C'est pour ça que même moi dis là avec vigueur, on pas comprendre pour qui ça a gagné et attitude ça de violence envers haïtien. Estoy hablando con toda franqueza. Ma parler là je dis avec tout comme avec franchise. Pero mucho más triste sería que un haitiano aceptara que esto es un país violento. Mais encore plus triste que haïtien accepte que pays en son pays violence. A ese pueblo también le agradecemos su afecto y su cariño al comandante Chávez y al pueblo venezolano. A peuple haïtien ça nous remercie aujourd'hui pour affection et l'amour pour président Chávez et pour le peuple vénézuélien. Afecto y cariño que manifestó el 12 de marzo de 2007. Affection que le même était manifesté le 12 mars 2007. Cuando el presidente Chávez pisó tierra haïtienne. Le président Chávez est venu en Haïti. Yo estuve corriendo ahí con el equipo que vino con el presidente Chávez. Me fue justement a ver avec l'équipe. No era embajador todavía. Porque embajador esa. Y yo vi los rostros de emoción, de afecto y de cariño de los haitianos en la calle. Et moi, visage, affection, visage haïtien qui était dans la rue, qui t'a gardé justement arriver, président. De ese pueblo con ropa descolorida, perdón. Avec peuple ça qui t'a gagné un vestiment avec un peu de couleur. En chancleta. En zapato. En zapato lleno de tierra. Avec zapato qui chargé de poussière. Y si algo me impresionó grandemente en esa carrera que estaba dando ahí. J'étais très très impressionné pendant toute marche ça que nous t'ai entamé. Es que vi haïtianos y haïtianas con una mirada como esta de asombro. C'est que me t'ai vu un pile visage haïtien haïtienne qui t'ai gagné justement au visage. Y vi lágrimas en sus ojos. Et moi de larmes dans les yeux. Nosotros agradecemos ese amor profundo del pueblo haitiano al comandante Chávez. Nous remercions et nous coubons bien bas devant
et amour profond ça que peuple haïtien a gagné pour commandante Hugo Chavez. Y agradecemos por supuesto las muestras de afecto, de cariño y aprecio del gobierno haitiano. Et nous remercions toute et affection et du gouvernement haïtien pour te jodir. Una vez más, une fois el amor sincero del presidente Martelly por el presidente comandante Chávez. L'amour sincère du président Michel Joseph Martelly envers comandante Hugo Chávez. Agradecemos por supuesto las medidas que han tomado gobiernos de muchas partes del mundo. Remercier toute mesure que en pile gouvernement à travers le monde et pour journée jeudi. De déclarer duelo nacional. Pour déclaration deuil national ça. Como lo acaba de hacer el gobierno de Haití. Jean gouvernement haïtien Finkfel. El gobierno de Cuba. Le gouvernement de Cuba. Ecuador. Ecuador. Bolivia. Bolivie. Nicaragua. Nicaragua. Y seguro que hay muchísimos más. Et moi, je suis capable un pilote gouvernement qui a fait même bagarre là. Entonces, sintetizando, pudiera decir que pour me conclure, tu as même dit ha dejado de existir un hombre bueno. Je dis un grand nègre qui parle encore avec nous. Bon garçon, comme dicen aquí en Haití. Ha dejado de existir. Il parle avec nous aujourd'hui hein, physiquement. El líder, le leader politico ideológico de la revolución bolivariana. Leader idéologie politique de la révolution cubaine vénézuélienne. Que encabezó un liderazgo y deja una huella en todos los pueblos pobres del mundo. Qui a la vite mette un leadership en place et que l'a quitté vraiment des racines dans tout continent. Dans tout continent ça. Y lo decimos con modestia. Il a dit avec un peu d'humilité. Un cantautor venezolano llamado revolucionario llamado Ali Primera decía. Un chanteur révolutionnaire Ali dit, venezuelien dit, decía lo que los que mueren por la vida no ça, pueden llamarse muerto. Ça qui mourit pour la vie pas qu'à reler mort. Así banal. Que Chávez vive. Avec Dieu ça yo, la lucha sigue. Que Chávez est vivant et lutte a continué. Podemos decir muchas cosas más porque tenemos ganas, pero creo que el tiempo apremia. Sabemos el dolor profundo que hay en la República de Cuba. Sabemos de verdad el dolor profundo. Nous connaissons douleur profonde que debe tener Fidel Castro. Que Fidel Castro sûrement gagne. Commandante Castro. Le commandant Castro. Chávez le escribió una carta muy bonita hace como dos, tres años, no sé. Chávez te écrit une belle lettre, ça fait deux ou trois ans, il n'est pas trop changé. Y como Chávez no es un revolucionario. Chávez pas un révolutionnaire. No era un revolucionario. Il pas que sigue siendo. Acomplejado. Il était complexé. En esa carta llamaba a Fidel, padre Fidel. A carta ça que te voyé by Fidel, que te dit père Fidel, papa y Fidel. No tenemos duda de que Fidel se sentía el padre de Chávez. Que Fidel te sentil que te père, papa Chávez. Los consejos de Fidel en el golpe de Estado de abril de 2002. Les conseils de Fidel dans le coup d'État de avril 2002. Salvaron la vida de Chávez y la vida de la revolución bolivariana. Ont sauvé la vie de Chávez et la vie de la révolution bolivarienne.
eso nosotros lo consideramos altamente. Nous avons pile considération, nous avons haute considération pour AXA. Hay un refrán, creo que es latinoamericano, que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Il y a un refrain latino-américain qui dit que plus qu'on est le diable. Por supuesto que Fidel no es ningún diablo, pues, que sino que es un hombre que sabe mucho. Bien entendu, Fidel pas un qu'un diable, son monde qui te connaît pile bagay. Sabe demasiado. Il connaît trop. Y sabe de solidaridad. Il connaît pile bagay sur solidarité. De revolución. De revolución. De amor. D'amour. De ayuda. D'aide. De independencia y soberanía. De independencia y de soberanía. De dignidad. De dignité. Nos queda entonces seguir impulsando las ideas del comandante presidente Hugo Chávez. Faut continuer à avancer et pousser idées comandante Hugo Chávez. Seguir impulsando las ideas que abrazó hasta el último momento de su vida del libertador Simón Bolívar. Continuer idées qui étaient avancées avec Pétion Bolívar jusqu'à la dernière minute. El hombre más grande de este continente lo consideró Fidel Castro. C'était l'homme le plus grand du continent considéré par Fidel Castro. En unas palabras que dio el 23 de enero de 1959 en Venezuela. Après des paroles qui étaient dites le 23 janvier 1958 59 au Venezuela. Que podemos decir. C'est comme ça que nous a dit. Es profundizar la revolución bolivariana.